L'ambiance pour accueillir le président Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023, s'est fait déjà sentir à Ville de Goma. C'est comme ce vendredi 1er décembre 2023, l'association des taximens moto au Nord Kivu, dénommée COPTAM, a débuté avec la sensibilisation de ses membres à se préparer pour accueillir le chef de l'État dans la ville touristique. Cette association, chapeautée par le docteur Softbin Kasongo Sébastien, veut préparer au moins 1000 motards pour cet événement tant attendu. Nous les avons rencontrés dans les rues de Goma. Président de la République, il y a RDC, Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis à la montagne, je suis à l'aéroport, je suis à je suis à la montagne. Les gens qui font sensibilisation pour les motards, quand ils ont le président de Fatih Beto, ils ont le système d'Afrique. Mais pour ça, on a préparé à arriver avec force et à Gaba. Comment on a fait sensibilisation et accueil à président Fatih Beto? Mais on a fait sensibilisation à l'honorable de Soft Bin Kasongo Sébastien, à l'impostulé à Mouvil et à Goma, à compléter à Motard et autres. Il y a une ville à Goma, à Ouattote et Guine. Alors, tout qu'on a arrivé à Fatih Beto, c'est là qu'on va accueillir à Fatih Beto. Comment on a bien la montagne? On a bien la montagne, on a bien la montagne, le président Ouattote, honorable Bin Kasongo Sébastien, qui fait qui, comme la solution qui fait qui, numéro 268, ville à Goma. Alors, on a joué l'émission, il y a 15 ans, il y a pile. Chakua, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui syndiquise à Sébastien Bin Kasongo pour l'aéroport pour être apporté à président. Notons que Soft Bin Kasongo Sébastien est candidat député ville de Goma sur la liste de l'UDPS Fédération de Goma. Déjà, c'est à toi de constater ma mille et quelques.